Salut monsieur Iman. Salut. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu plus de vous? Alors je suis Iman Aïssi, d'origine camerounaise. J'ai vécu à Paris dans le domaine. Je travaille dans le domaine de la mode. Alors, j'ai été mannequin, j'ai fait la danse au haut niveau. J'ai écrit 2 bouquins dans le registre des contes imaginaires et je suis créateur de mode. Mais qu'est-ce que vous a poussé à aller vers le monde et vous a choisi la mode? C'est l'esthétisme, la beauté des gens, la beauté de l'art, la beauté de le savoir-faire, les histoires des pays africains qui sont tellement... chaque pays a un âme, chaque pays a une histoire importante. Tout ça, c'est très beau. Et, et après, ça m'a attiré à créer certaines choses. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Vous avez tous les 3 années d'expérience. Alors, mon parcours, c'est assez long. Je vais essayer de le résumer en 2 mots. J'ai commencé par danser étant petit. J'ai intégré la troupe familiale qu'avait montée mon grand frère Aïssé Le Duc à l'époque. Et donc, il y avait moi, Aïssé Le Duc et Chantal Aïssé, qui étaient de ma grande sœur, qui était devenue chanteuse et danseuse, elle était mannequin aussi. Et après, on intègre le ballet national, on fait des voyages et tout. J'ai commencé à faire le soleil au gauche à droite. En même temps, j'étais faisais du mannequinat au Cameroun en tant qu'amateur. J'ai travaillé avec des maisons comme Blast Design, Madejon, Black Giraffe et autres à l'époque. Donc, et cette fois-ci, on s'envole dans les valises de Yannick Noir pour la promotion de Saga Africa. Le fameux tube Saga Africa en Europe. Oui. Donc après cette tournée, j'ai décidé de rester en Europe. Et là, il fallait tout recommencer un peu à zéro, parce que les univers sont très différents. Donc la danse, le mannequinat, la création aussi. Donc il fallait, il me disait Paris, s'il voulait faire des choses à notre niveau, c'était Paris. Paris la belle. Oui, donc il avait choisi Paris. Parlons de votre sélection à la Fashion Week française. Alors la sélection se passe, j'ai fait un dossier, j'ai défilé déjà pendant des décennies. Tous les ans, depuis 1993, j'ai monté les collections à Paris pendant la grande saison. Et cette fois-ci, donc, j'ai décidé d'envoyer mon dossier à la Fédération de la haute couture française. J'ai fait plusieurs tentatives, mais cette fois-ci, ça a marché. Et c'était la première fois qu'on ouvre cette porte à un noir d'origine subsaharienne africaine. Voilà, je crois que ça a été une grande reconnaissance. Et quel est le venu que vous leur proposez? Est-ce qu'ils ont apprécié votre création? D'où vous est venue l'inspiration? Mais par quels éléments vous avez inspiré pour produire? Donc, on envoie les dossiers sont envoyés, donc c'est très. Comment institutionnel, quand on envoie un dossier en concours, donc il y a les clauses et tout, il y a tous les codes, il y a toutes les cases aussi qu'il faut remplir, il faut être là à la hauteur, je veux dire. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais je m'étais dit, je ne peux pas faire comme Saint-Laurent, je ne peux pas faire comme Dior ou Lanvin, il fallait que je fasse les choses à ma manière, mais mettre le côté africain devant. Les tissus que j'avais présentés, j'avais essayé de mettre les vrais tissus authentiques des différents pays africains, pas tous les pays avaient fait une sélection. Et même dans le travail des silhouettes aussi, je ne voulais pas faire une mode, genre une robe d'histoire à la Chanel ou à la Dior, ça je peux le faire pour les clientes, mais pour montrer à la presse internationale, la presse a besoin de voir du nouveau. Parce que
l'amour est saturé au niveau de la création et tout, ils ont besoin de voir autre chose. Donc c'est cette autre chose là que j'ai essayé d'étudier, les silhouettes, comment il faut réhabiller la femme en allégeant certaines silhouettes, certaines pièces comme des vestes ou des pantalons et des jupes ou des, comment on appelle, des sweatshirts ou même des bustiers. Donc tout dépend dans les détails, les longueurs, les volumes aussi, les couleurs, les matières aussi, tout compte. Définition, très important. Surtout parce que c'est ça qui montre la qualité, qui montre comment maîtriser le tissu et qui montre comment le style. Tout à fait. Parce qu'ils ont réussi à enlever le style de tout. Et en plus, le style est très difficile. Le style, on ne peut pas trouver son style en quelques mois. Hein. Le style, c'est une question de beaucoup d'années de travail. Et dextérité, même. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps pour trouver son propre style. Surtout le rendre international. Bon, à propos, j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de vos valeurs intrinsèques vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis de vos racines africaines, parce que nous avons dit ici de la métisse culturelle, vis-à-vis de cette société occidentale internationale comme cosmopolite que vous avez pu rencontrer. Je crois qu'on ne peut pas aller vivre chez les autres et puis qu'on va essayer de vivre ou d'essayer de parler plus français qu'en français ou anglais, plus qu'en anglais, ou vivre leur culture plus que ce genre-là. Et quoi que ça serait peut-être la bêtise. C'est toujours mieux d'abord qu'on sache d'où on vient nous-mêmes, de parler nos dialectes qui sont en voie de disparition. Parce que j'ai vu qu'ici, il y a certains, même dans nos familles, il y a certains, tu le dis bonjour ou masoukou ou mbembongouré, dans nos langues, en Béti ou en Bassar, en Bamdékou ou voilà, peu importe, on te répond en français. Parfois, on te dit, bon, je ne parle pas ça. Donc, on te dit, je ne parle pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ta langue, ton dialecte que tu as reçu de tes grands-parents, que tu appelles ça. Donc, on voit qu'il y a un manque de relâchement. Oui, je crois qu'il y a un vide quelque part. Donc, c'est bien que les gens sachent aujourd'hui que notre culture, les langues, avec tout ce qui va avec, c'est très important. Pour notre identité, pour notre fierté aussi. Si on n'oublie pas, si on oublie ça et qu'on veut aller essayer de vivre dans la peau des autres, on est fautif, on va droit dans le mur. Et ça serait des hommes vides. Donc je crois qu'on est un homme vrai ou une femme vraie à partir du moment qu'on sait d'où on vient. Et c'est pas question qu'on va changer d'identité ou essayer de changer certaines personnes ou la personnalité de certaines personnes. C'est une question de savoir ou de la fierté. Hein, la fierté de son pays, la fierté de soi-même, la fierté de ce que nous sommes. De garder son identité telle qu'elle est, même si on évolue dans le monde entier. Mais la grande richesse, c'est ça aussi. C'est de maintenir ces racines-là. C'est très important. Avez-vous un message à transmettre et pour chuter, quels sont vos futurs challenges? Alors les futurs challenges, c'est que l'argent. Vous, les Africains qui avez beaucoup d'argent, n'hésitez pas à investir sur les Africains qui ont du talent. Parce que les années à venir, c'est en Afrique que ça se passe. L'air est saturé. En plus, arrêtons d'aller toujours enrichir les autres. Pensons à créer notre propre économie sur place en Afrique. Parce que l'Afrique doit décoller avec les Africains. Les autres, ils ont fait pendant longtemps avec avec l'Afrique, mais sans les Africains. Tout le monde le sait. Donc, il faut que les Africains se réveillent. Je vous remercie. Je vous en prie. Regarde, il dit, c'est un, je pense que Iman a déjà complètement tout dit, parce que lui, quand il commence, on ne l'arrête plus. C'est clair qu'à un moment. Non, mais moi, tout ce que je veux dire toujours, c'est, Iman l'a si bien résumé, c'est toujours un principe de travail que paye. Ça veut dire qu'on est toujours, on existe toujours au travers de notre rigueur, au travers des choses qu'on arrive en avant. Et vous voyez que depuis le début de cette aventure, il y a tellement de choses, tellement de créateurs, tellement d'aventures, tellement de visions qui sont développées qu'au final, on arrive finalement aujourd'hui à se dire qu'on fait quelque chose qui peut tenir de la route. Donc on ne peut qu'aller vers crescendo. On est quand même parti de là à arriver aujourd'hui
Et ça, c'est pareil, ça se confirme vraiment avec Imane, parce qu'on a, depuis le début de cette aventure, et moi je me souviens quand je parlais de cette aventure les premières années à Paris, c'était un peu comme waouh, t'es courageux. Et vous avez remarqué quand même que depuis 10 ans, Imane est venu tous les ans au Cameroun, sans compter son temps, sans. Et encore aujourd'hui, on a cette chance de l'avoir parce que monsieur est de plus en plus rare et va se faire de plus en plus rare. Mais ça reste cette personne qui reste simple, qui reste monsieur Imane. C'est un traceur de chemin. Exactement. Et moi, je pense que ça mérite d'être voué et d'être visionné. Donc, se sentir honoré d'être accompagné par une personne comme ça, toujours dans le conseil, et avoir plus ce qu'on se souhaite les deux prochaines années. Cette année, c'est monsieur l'ambassadeur de France qui est le parrain et s'associe au noir. Et comme on dit, les choses ne se font pas par hasard. Il se trouve quand même que Imane vit depuis très longtemps en France. Et depuis que nous avons commencé ce principe de parrainage à travers les ambassadeurs, nous n'avons pas eu jusque-là l'ambassadeur de France comme parrain. Nous avons eu la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Espagne. Et donc, naturellement, il se trouve qu'on sollicite l'ambassadeur de France qui devient le parrain de la 11e édition. Monsieur Imane Aïssi est consacré de ce qu'on sait et de ce qu'on ne dit plus. Donc voilà, ce ne sont que des évidences et ça fait partie du travail bien fait qu'il paye. Il faut dire que son excellence n'est pas un secret. Son excellence a bien visité. Ah, que oui!